一二三，二赞哦，有力气。对。Nous sommes dans l'atelier de Wang Shikun. Lors de l'émission précédente, nous avons découvert le travail de la peau avant qu'elle soit posée sur le tambour dans un atelier annexe. J'avais participé aux différentes étapes sous la surveillance du maître et nous avions laissé la peau à l'air libre pour qu'elle sèche. Cette fois-ci, Valentin est volontaire pour la suite de la fabrication, la pose et la fixation de la peau sur le corps du tambour définitif. C'est une étape importante qui déterminera la qualité du son du tambour. Espérons que Valentin s'en sorte avec les instructions du maître. L'histoire de l'atelier a commencé avec le père de Wang Shikun. Donc vraiment le travail d'ajustement est vraiment au millimètre. C'est vraiment très minutieux, c'est là que représente en fait toute l'expertise du travail. Le tambour est là déjà tendu depuis 2 jours et donc en fait maintenant, là ils vont libérer petit à petit le tambour après la mise en tension pour pouvoir mettre les clous dessus.这个想的是我爸爸传下来的，可是我真的没有经过我爸爸的调教，他没有教过我。后来爸爸突然往生，就是觉得我可以做这件事情，我可以做得好，我再重新从记忆里面找到那种技巧来做这件事情。De retour dans l'atelier, Valentin et Wang Shikun préparent le corps du tambour. Le cerclage est une étape à ne pas négliger. Les deux arceaux servent à empêcher les lames du corps de se séparer sous la pression exercée lors de la mise en tension de la peau. C'est là où on voit que c'est de l'artisanat parce que tout est à la pièce en fait. Donc chaque arceau a une dimension et il ajuste pour chaque modèle l'arceau au fil en fait. Avant d'installer la peau, le maître porte une grande attention à la régularité de la partie supérieure du tambour. De cette étape dépend la qualité finale du son. 1, 2, 3, 2, 3. Zan, oh, you're rich. Allez, on voit un petit peu, ça se soulève en fait. Ah, on se rapproche là. Ça commence à être un peu tendu. On peut entendre que le son change à chaque coup de cric. Oh, oh,
Les techniques traditionnelles nécessitent une étape supplémentaire pour attendrir la peau. Valentin va prendre de la hauteur pour s'essayer à cette pratique traditionnelle. Une fois sur le tambour, la plus grande difficulté n'a pas été la hauteur, mais de trouver le bon rythme pour pouvoir appliquer la force nécessaire pour détendre la peau. Quand on y pense, il est étrange que dans beaucoup d'étapes de fabrication de cet instrument, on retrouve le rythme comme un élément clé. Ça s'est ramolli. Bien joué, là. Tiens-le. Nous pouvons voir qu'après un peu de pratique, Valentin prend ses marques. Il semble rapidement plus à l'aise, perché sur son tambour. Ah. Après avoir suffisamment travaillé la peau, les artisans l'ont laissé ainsi tendu pendant 2 jours. Il faut maintenant la clouer définitivement sur le corps. Nous pouvons voir ici que les clous adoptent un motif triangulaire qui fait partie des nombreux styles qu'on peut observer sur les tambours. Il existe plusieurs manières de couper la peau pour retirer la corde. Cela dépend de la préférence des clients. Observons comment Valentin s'en sort. C'est pas superbe. Dernière découpe, le fils du maître explique à Valentin comment positionner la lame de manière optimale sans négliger son angle. Cette étape est l'une des plus délicates, car toute mauvaise manipulation risque d'écorcher la peau ou le tambour. Alors, ce qui est vraiment compliqué, en fait, c'est vraiment... faut en même temps utiliser de la force et en même temps faire très attention parce que c'est vraiment au millimètre près. Et si on change un peu d'angle ou si on bouge un peu, on a des chances soit de couper le bois, soit de mal couper la peau et avoir des traces, en fait, pas avoir une aussi belle régularité comme on voit là, en fait.自古工艺这一块有很多的地方，包括是声音啊，或者是木桶的部分啊，都是靠感觉去察觉的。譬如说，包括刚刚在处理木桶的时候，我都会习惯的用手去摸一圈，哪边有问题，哪边没问题，然后哪边我要加强。然后皮我也很习惯去摸它一圈，哪边有问题，哪边没问题。所以我很喜欢的就是这些。你削完皮，绷好这个骨，声音很棒，就像。 我身后这棵爷爷80年的大骨，如果未来我也可以像他一样，我会觉得很有成就。因为人过世以后就什么都没了，可是我至少有形式的东西可以留下，而且是很自豪的方式。 Depuis la reprise de l'atelier en 1973, le maître fabrique des tambours utilisés dans le monde entier. Une de ses dernières œuvres se trouve au temple bouddhiste de Foguangshan à Kaohsiung et dispose d'une peau végétale. Il en fabrique de divers types, comme ses tambours pentatoniques. Donc, nous revoici de retour au musée après une journée éprouvante et plein d'émotions. Qu'est-ce que t'en as pensé, Clément ? En même temps, c'est vrai qu'un tambour, ça met plus d'un an et demi, comme il nous expliquait tout à l'heure, pour être fait du début à la fin. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'était une journée très intense. Moi, j'ai beaucoup apprécié la partie où j'ai fait la peau. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit si lourd, je m'en doutais.
Et par contre, je pense que la partie la plus difficile pour moi, c'était... tu vois, je me rase pas beaucoup. Mm-hmm. Et c'était la partie où je devais raser la peau. En fait, c'est pas évident. Et la partie aussi où tu dois désépaissir. Mm. Ça, c'est vraiment pas facile. Toi, c'était... Qu'est-ce que t'as trouvé le plus difficile? Moi, ce qui a été le plus difficile, c'était vraiment couper la peau sur le bord avec les clous, là. En fait, selon... On a vu. Selon l'angle, en fait, ça change tout et ça fait pas propre du tout. Hein. Franchement, je vous le dis tout de suite, c'est pas facile à vraiment trouver le bon angle tout en donnant la bonne force, parce qu'en fait, c'est vraiment un jeu entre la force et la précision. Et c'est quand même des beaux objets, donc on n'a pas envie de les abîmer. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'avais un peu de mal, je pense. Ce qu'on peut dire, c'est qu'une fois qu'un tambour est terminé, ce qui est intéressant, c'est que ça continue à vivre et que 20 ans, 80 ans après, comme le tambour derrière nous, le tambour continue à évoluer et son son aussi. Et d'ailleurs, ce qui est assez impressionnant, c'est que quand on met l'oreille, même sans rien faire avec les vibrations de la ville et la caisse de résonance du tambour, on entend une espèce de son constant, un peu comme quand on écoute dans une caisse comme ça. Il y a une espèce de vibration constante. Et je te laisse dire au revoir. Ouais. Oh, God.